On va finir le direct. Hein. Moi, je vais finir mon direct. Parce que... I got so many things to do. Il faut déjà que je commence à aligner tout ça. Alors, n'oublie pas, nanana, d'enregistrer les courriers. Est-ce que je peux bien laisser? Tac. Je pense que c'est tout. Hein. Voilà, voilà. Alors, c'est ça. Voilà. Alors, on va finir mon direct. Alors, je voulais dire quoi? Je voulais dire une chose. C'est que quand il dit qu'au final, les Camerounais et les Ivoiriens s'aiment, il a probablement raison. Mais je vais vous dire une chose. Je ne vais pas finir mon propos sur ce qui est arrivé à Eudoxie. Personnellement, si j'avais l'occasion et l'opportunité de rencontrer Eudoxie par rapport à ce qui est arrivé et à lui est arrivé, je lui aurais témoigné ma sympathie. Et je suppose que toute personne normalement constituée avec ses cinq sens, qu'il soit ivoirien ou camerounais, comprendrait que, voilà, témoignerait sa sympathie. Alors, est-ce que parce que Fleur de Lille donne l'argent à Eudoxie, ça veut dire qu'elle humilie Eudoxie? Non, je ne suis pas d'accord. Il y a un certain nombre de choses avec lesquelles je ne peux pas être d'accord. Voilà. Apprenez que ça ne sert à rien, comment dire, l'orgueil dans zéro. Quand quelqu'un apporte t'apporte son soutien, ça ne veut pas forcément dire qu'il t'humilie. Pourquoi voir un acte sympathique comme si c'était un acte d'humiliation? Je n'ai pas compris en fait ce raisonnement. Je n'ai pas compris. Même sur le direct de Eudoxie, quand elle a dit que si les gens l'aident et lui envoient l'argent et tout, ça veut dire que c'est de l'humiliation. Personnellement, je ne pense pas que c'est de l'humiliation. Pourquoi? Parce que elle dit qu'elle a de l'argent, certes. Je doute un peu à ce niveau-là. Parce qu'entre la réalité et... ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a toujours un gap, comme on dit en anglais, il y a toujours un fossé. Alors, dire qu'elle a de l'argent et qu'elle voyage pour 1200 euros, je ne sais pas, je ne le sens pas. Voilà, parce que pour moi, bonne soirée.
Parce que pour moi, je ne suis pas sûre, par exemple, que Fleur de Lys se déplacerait pour 1200 euros de cachet. Je sais pas, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que Fleur de Lys accepterait de se faire traiter comme on a traité Eudoxie. Voilà. Je vois très mal Fleur de Lys accepter de. Pourtant, Fleur de Lys, elle s'est déjà fait arnaquer hein, plusieurs fois, on l'a vu. Mais c'était pas aussi humiliant, en fait. Donc, l'humiliation ne vient pas d'elle ou du fait qu'on vienne l'aider. Je vois pas pourquoi. Vous voyez toujours les choses de travers. Vous avez toujours une mauvaise lecture des événements. Je vois, ça me surprend. Voilà, ça me surprend. Je vois vraiment pas en quoi c'est une humiliation de témoigner sa sympathie envers quelqu'un. Alors, maintenant, quelqu'un peut venir en témoigner sa sympathie. Mansari, quelqu'un peut venir en témoignant sans sympathie en te donnant de l'argent, tu lui dis simplement non merci. Ça ne veut pas dire que c'est une insulte. Voilà, il y a des manières beaucoup plus polies. C'est simplement ça, hein. Que je viens vers toi, je te témoigne ma sympathie. Bah, si je veux te donner de l'argent, tu dis non merci. Bonjour madame. C'est tout. Voilà. Merci Irène. Donc ce n'est pas témoigner sa sympathie envers quelqu'un. Ce n'est pas de l'humiliation. Arrêtez d'être orgueilleux dans zéro. Même si Eudoxie avait été aidée par 10 000 Ivoiriens, c'est pas pour autant que s'il a, il y a une maigre aide de la part d'un Camerounais, d'un Gambien, d'un Namibien, je sais pas moi, d'un extraterrestre même, ça veut dire qu'elle l'accepterait pas parce que non. Vous ne pouvez pas être les mêmes personnes, vous voulez prôner l'unité africaine et vous vous séparez encore entre eux, vous faites de la sorcellerie en fait. C'est la même chose que je dis aux Camerounais. En gros, quand Lady Ponce a chanté que ce sont des frères jumeaux, mais c'est la vérité. Et c'est à ce niveau-là que je dis parfois l'école est bien, parce que vous vous contredisez, mais de manière effroyable en plus. Parce que c'est un scandale, parce que tu ne peux pas, extase, dire que oui. Je suis panafricaniste, l'unité des Noirs, machin et tout. Et après, tu viens nous expliquer que quand peut-être les Camerounais ou d'autres citoyennetés essayent, nationalités essayent de témoigner leur sympathie envers Eudoxie, ça veut forcément dire que on veut l'humilier. C'est bizarre. Sincèrement, c'est bizarre. C'est le même comportement qu'a les Camerounais aujourd'hui qui s'en prennent à toi. Alors que entre eux-mêmes, il y a des divisions, ils ne s'aiment pas, ils ne se supportent pas. Donc demain, je vois bien une Fleur de Lys et un Extase, machin là, dans une manifestation en train de crier au racisme, alors que c'est les mêmes personnes qui font des directs pour se clasher en disant j'aime pas les Camerounais, j'aime pas les Ivoiriens. Vous voyez pas qu'il y a un décalage horaire dans tout ça là? Vous voyez pas que c'est pas normal? Donc, on va savoir à quoi vous jouez en fait. On va savoir à quoi vous jouez. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, j'ai compris un certain nombre de choses et puis un certain nombre de temps. Voilà. Faut dire qu'on apprend tous les jours. Pour moi, j'estime que témoigner sa sympathie envers une victime d'agression, ça ne veut pas dire qu'on humilie cette personne. Et sincèrement, je comprends que Eudoxie voulait récupérer son argent parce que c'est l'argent qu'elle a travaillé. Je le comprends. Et pour moi, elle mérite même plus. Ses mœurs, ce qu'elle fait de son corps, personnellement, je m'en fous. Si tous les Camerounais ou les Ivoiriens, beaucoup plus les Camerounais, apprenez à se mêler de ce qui les regarde. Personnellement, ce que Eudoxie ferait de son corps serait le dernier des problèmes de la toile, en fait. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. Parce que moi, j'ai cru voir quelque part où il a dit que c'était une prostituée. Frère, je n'encourage pas ça, hein. Mais je ne suis pas sûre qu'elle a eu le moyen dans sa vie d'aller à Harvard et elle a refusé d'aller à Harvard. Je dis toujours ça. Merci. Non, c'est pas grave. Je vous en prie.
D'accord? Donc, avant de taxer quelqu'un de prostituée, franchement, pour moi, est-ce que vous lui avez offert une autre chance? Est-ce que vous lui avez offert une autre chance? C'est ça que j'essaye de dire. Est-ce que vous lui avez offert une autre chance? Même moi, même plusieurs fois quand on a traité Fleur de Lys de prostituée, elle-même l'a dit de toutes les façons, je n'ai jamais été, comment dire, c'est pas moi qui viendrai la juger. Chaque fois que moi j'ai récupéré ça contre elle, c'est quand elle m'a attaqué. Mais honnêtement, ce que elle fait de son corps, ce que X ou Y d'ailleurs à cet effet fait de son corps, honnêtement, je suis désolée, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. En tout cas, entre quatre murs, ça ne me regarde pas. C'est tout. Donc, à partir du moment où vous allez comprendre ça, vous, que ce soit les Camerounais, beaucoup plus les Camerounais, parce que moi, les Camerounais, je les connais, que ce soit les Camerounais ou les Ivoiriens, je pense que vous allez avancer. Sincèrement, ça ne vous regarde pas. Alors, est-ce que. Donc, si elle est prostituée, c'est bien qu'il y a des gens qui payent pour la voir. Alors, on ne paye pas n'importe quoi. Je suis désolée, même la prostituée, entre guillemets, la plus laide, à partir du moment où on la paye pour avoir ce qu'elle possède, c'est bien que quelque part, elle n'est pas si dévalorisée que ça. Alors, à ce niveau-là, le problème est donc à quel niveau? Au niveau de celui qui vend ou de celui qui achète? Parce que pour moi, si elle vendait et qu'il n'y avait pas d'acheteur, dans ce cas, il n'y aurait pas eu prostitution. Il y a prostitution à partir du moment où il y a un vendeur et un acheteur. La faute à qui? Parce que les acheteurs sont cachés dans le noir. Ils portent la veste de pieux, comment dire, d'homme pieux, d'homme qui réfléchit, d'homme machin. Les gens, là, le monsieur qui l'a agressé, aujourd'hui va peut-être se placer devant les caméras pour dire que, oh, elle ne me plaît même pas. Oh, quand je la vois, on vous connaît, vous les noirs. Oh, quand je la vois, je ne bande même pas. Oh. Pourtant, il l'a quand même bastonné parce qu'il voulait coucher avec elle. C'est ça, en fait, la duplicité de ce que vous êtes. Et c'est la même chose aujourd'hui que je reproche à mes frères camerounais. Aujourd'hui, vous vous plaignez qu'un Ivoirien se mette en direct pour vous insulter. Mais vous êtes les mêmes personnes qui vous mettent en direct pour insulter les autres. Bonne soirée. Vous êtes les mêmes personnes, vous vous mettez en direct, vous insultez vos propres frères camerounais. Quelle est donc la différence, par exemple, entre un Ivoirien qui insulte un Camerounais et un, je ne sais pas moi, Bamileke, qui se met en direct pour dire qu'il faut exterminer tous les Bétis? Expliquez-moi où est la différence. Qu'est-ce que vous voulez justifier? Qu'est-ce que vous voulez justifier? Et maintenant, moi je dis que, à un moment donné, un peu de cohérence ne ferait pas de mal. D'accord? Autant lui, il s'offusque d'un certain nombre de choses, d'agissements des Camerounais. Et je comprends qu'il veut défendre les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens ne sont pas tous des saints. Lui, et ce qui me plaît quand même, c'est qu'il a cité des exemples dont il s'en offusque. Ce n'est pas le même cas chez nous. Chez nous, que ce soit beau ou mauvais, en face de l'autre, on veut couvrir à tout prix. Alors que justement, on devrait, comment dire? Si on mettait à part certaines personnes pour que la société puisse avancer, je pense qu'on irait loin. C'est mon point de vue. Mais après, bon, après tout, c'est mon point de vue. Ça ne compte pas. Bref. Alors, extase, ce que je voulais dire cette soirée, c'est qu'aujourd'hui, moi, c'est les tontinards, entre guillemets, mes frères camerounais, qui m'ont attaqué, qui ont publié et fait des montages, des photos de filles que je ne connais pas, nues. Et qu'ils ont fait passer ça pour moi. Or, c'est pas comme si moi je vais me lever le matin et faire un direct sur Facebook à poil, non. Mais justement pour leur montrer que je ne suis pas à ça près et que franchement, c'est la dernière des choses avec laquelle on peut vraiment m'avoir. J'ai fait cette vidéo que tu as diffusée sur ta page. C'est la simple et unique raison. Alors, est-ce que j'ai raison de le faire? Moi, je dis oui, mais beaucoup de personnes me diront non. Beaucoup de personnes me diront, tu aurais dû ne pas répondre. Beaucoup de personnes me diront, tu aurais dû, tu aurais dû. Et à ça, j'ai envie de vous répondre, ça, c'est vous.
Vous, c'est vous, moi, c'est moi. Moi, je sais comment je... Bonsoir. Moi, je sais comment je réagis face à l'attaque et c'est pas la même manière que d'autres personnes réagissent face à l'attaque. La preuve, toi, Extase, tu es en train de réagir, de surréagir parce qu'un certain nombre de... parce que les Camerounais ont insulté les Ivoiriens. Moi aussi, j'aurais pu te dire, ferme ta gueule, ou alors ne parle pas de ça, ou alors tu n'es pas obligé de répondre. J'aurais pu te dire ça. Donc, c'est encore la preuve que vous n'êtes pas habilité à dire ou alors à juger, à décider de comment quelqu'un doit réagir quand cette personne est attaquée. Parce que attaquer veut dire quoi? C'est que je suis en danger et je me protège. Et donc, en me protégeant, pour vous, vous voyez que je me suis affichée, mais non. Si cette vidéo me portait préjudice en France, parce que je suis désolée, ce n'est que dans le milieu africain noir que j'ai des préjugés à deux balles. Moi, ce n'est pas pour autant que j'ai arrêté de travailler. Il y a de cela 5 semaines, j'ai travaillé à l'Élysée. Il y a de cela 3 semaines, j'ai travaillé au ministère de l'Économie et des Finances. D'ailleurs, mon travail est sur la même rue que le ministère de l'Économie et des Finances. Et avant ça, quelques semaines, quelques jours après ma vidéo, je commençais sur le site du ministère de l'Intérieur. En gros, ce qui compte véritablement, c'est qui vous êtes et votre rendement dans la société. Alors, si vous avez un rendement important,